Bonjour à tous et bienvenue sur cette découverte de Banner of the Maid. C'est un jeu chinois ou japonais, je sais plus, qui parle de la Révolution française. Je vous le fais parce que j'ai un collègue que vous verrez avec Nightbot. Tous ces liens sont dans sont sur le Nightbot. A traduit la première partie en français. Et ouais, on est parti. Alors, il y a deux personnages. On peut faire l'officier ou le général. On va faire l'officier. Été 1791, Varennes, France. Hein? Varennes est proche. Êtes-vous sûr que le roi sera là? On ne peut que l'espérer, sinon le roi de France pourrait déjà avoir quitté le territoire. Soyez vigilants, Marquis. Si nous ne ramenons pas le roi, le pays tout entier va s'agiter. La France ne peut se le permettre à un moment si crucial. À quoi donc pense le roi? Ne peut-il pas rester au palais? Comte de Mirabeau, vous vous remettez tout juste d'une maladie. Vous devriez vous reposer à Paris. C'est moi qui vous ai informé. Hors de question de rester à l'écart. De plus, ces troupes ne semblent pas appartenir à la garde nationale. C'est l'armée des royalistes. Ils doivent être là pour le roi. Je compte sur vous. Je n'ai aucune expérience du champ de bataille ou du commandement. Nous allons changer le destin de la France. Marquis de Lafayette, veillez à trouver le roi et son entourage. N'ayez crainte. Vous devriez plutôt réfléchir à comment convaincre le roi. Quel est ce voyage? Ennemi en alerte et surveille le pont. Je dois atteindre l'ennemi.
Ensuite, j'attaque sans pitié, c'est traître. Alors, tu peux attaquer, mais go. Avec le. Par contre, il contre. Ah. Il reste une unité ennemie à l'entrée de la ville. J'espère que le roi est toujours là. Pas un instant à perdre, j'y vais. Il Les royalistes gardent Scarroche, je toi un œil. Ouais, il est où? Selon le messager, c'est le carrasque que le roi appris. Je vous laisse fouiller la ville pendant que je garde ce gars. C'est assez discret. Je m'en occupe, soyez assurés. Bien, mais madame, veuillez sortir. Je me doutais que c'était elle à l'intérieur. Vous connaissez certainement la suite, n'est-ce pas? Sa Majesté est en ville et le marquis de Lafayette va la retrouver. Veuillez nous accompagner à Paris. Que va devenir notre famille de retour à Paris? Les documents laissés par Sa Majesté confirment sa trahison envers le peuple et le pays. Vous serez détenu dès votre arrivée à Paris. Ces temps-ci en France, la trahison est un mets raffiné pour lequel tout ami de Paris désire prendre une part. Que va-t-il advenir, mon enfant, l'avenir de la famille royale? Nous nous en occupons. Il est de son royal. Après tout, la situation actuelle oblige qu'il soit remis à autrui. Bien, n'opposez aucune résistance, je vous prie. La famille royale doit assumer la responsabilité de ses actes. Oh. Comme prévu par le tableau, le diamant bleu a réagi. Oh. Vous semblez être la personne que je cherchais. Chemin? Comment ça? Je ne suis pas là pour le roi, je recherche la capacité qui sommeille en vous. Ce que je vais vous révéler pourrait vous troubler. Écoutez-moi attentivement avant de me répondre. Il ne s'agit pas seulement de vous et moi, mais de l'avenir du pays tout entier. Des cris d'agitation sont entendus en loin. Semblerait que le roi ait été retrouvé. Le temps presse, écoutez-moi attentivement. Ce fut le pire moment de mon existence. J'ai échappé de peu à la mort et je t'ai donné la clé du futur du pays. Ce fut l'héritage transmis des centaines d'années durant et que beaucoup de livres et légendes relatent. Les femmes affectées connurent un destin tragique. J'espère ne pas regretter cette action et j'espère surtout qu'elles deviendront les pucelles de France qui apportent calme et stabilité au pays.
5 ans plus tard, banlieue de Toulon. Les rumeurs de l'arbre du roi sont donc fausses. Si le peuple savait, la femme royale serait emprisonnée ou pire encore. Ah ah, c'est juste un ragoût de taverne. Je voulais raconter pour chasser l'ennui du trajet. Bon, ce n'était qu'une histoire. J'ai pourtant eu vent de nombreuses rumeurs similaires. Mais la femme qui a changé la famille royale pourrait bien exister. Son intervention l'a transformée. Oh, mademoiselle, vous croyez à cette histoire de puceur? Dotée d'incroyables talents, elles sont nées pour sauver le pays en danger. Je ne sais pas, je ne sais trop. Cette jeune femme en uniforme se dit diplômée dès l'époque militaire. Depuis que les femmes sont autorisées à rejoindre l'armée, beaucoup ont suivi un entraînement spécial à l'école militaire. Rappelez-moi votre prénom. Pauline Bonaparte. Oh. Ah non, ah, vous n'êtes pas parisienne, si. Je suis de Perse. Quelle coïncidence, j'y suis allé plus jeune lorsque j'étais soldat d'ailleurs. oublié. Quel sujet devrais-je aborder? La situation en cours. Lorsque j'étais plus jeune, jamais je n'aurais imaginé qu'une révolution puisse éclater. Il y a 7 ans, le roi a convoqué les états généraux pour redresser les finances. Effectivement, le clergé, la noblesse et le tiers état. La discorde entre les états généraux s'est intensifiée et une révolution a finalement éclaté à Paris. La Bastille fut prise d'assaut et le roi compromis. Ce qui permet de légitimer l'assemblée actuelle. Oh. Eh bien, vous êtes très familière avec l'histoire. Et que pensez-vous de la révolution? J'étais encore si là 7 ans et je ne connaissais Paris que très peu. J'ai tout appris à l'école militaire. Mais ces dernières années, bien que le pouvoir de la noblesse ait faibli, la famille royale reste peu affectée. La famille royale a profondément changé. Elle a soutenu la réforme de l'Assemblée et fait beaucoup de choses sans précédent. Des jeunes filles comme vous ont pu s'enrôler dans l'armée. Une politique promue par la famille royale qui a bien su en profiter. Je le sais, mais un soldat ne doit pas se préoccuper des sujets politiques. Oh, je vois bien que cela vous indiffère, sinon vous auriez su qui j'étais. Bref, en parlant de l'armée... La destination de notre voyage... Mademoiselle, vous étiez transférée à Toulon, une guerre semble s'y préparer. Mon frère aîné a également soldat et sert à Toulon, je suis ici. En vacances. Le moment est mal choisi pour prendre des vacances en tant que militaire. Les rébellions internes sont fréquentes ces temps-ci, sans compter les guerres avec les pays voisins. Effectivement, les soldats doivent partir au front. Oh? Alors pourquoi vous? Je sors tout juste d'une bataille éprouvante. Nous en sommes ressortis victorieux. Je le vois à votre médaille. Même si elle est décernée par la famille royale en raison de la situation actuelle, c'est un mérite militaire incontestable. Mais nous avons essuyé de l'eau de perte. Ce qui me fait douter de mon aptitude de soldat. Oh. Vous venez donc voir votre frère pour en parler? Oh. Oui, c'est lui qui m'a recommandé pour les
école militaire. Il peut sembler étrange et ambition pour autrui, mais c'est un soldat qualifié. Il est curieux de voir sa professeure parler ainsi de lui. Pour revenir à Toulon, l'endroit est mal choisi pour les vacances. Cela fait déjà 6 mois que des traîtres au sein de la ville ont aidé l'ennemi à occuper Toulon. Les villes alentours affectées vivent dans la panique. Hélas, le peuple souffre, il faut mettre un terme à cette guerre au plus vite. Couche. Et tout de même étrange que les Britanniques attaquent la ville, en plus de la Prusse et de l'Autriche. Bien que l'impact de la Révolution doit l'inquiéter, la maison de Bourbon est toujours là. Il ne devrait pas se précipiter ainsi. Même Sa Majesté soutient l'Assemblée dans la guerre. Eh bien, c'est anormal. Une force inconnue a peut-être dans l'ombre. Une puissance. On parlait des ficelles. Qui sait, cependant, il n'est pas normal que le roi soutienne la guerre. Bien qu'il ait temporairement le soutien du peuple, le pouvoir de la famille royale continue de s'affaiblir. Si le régime révolutionnaire est vaincu par l'ennemi, elle reprendra le pouvoir. Et combien de personnes vont-elles mourir pour cela? Dommage, j'ai peut-être choisi la mauvaise personne. Juste une hypothèse personnelle, la guerre est inévitable. Nous avons rejoint l'armée pour l'honneur de la patrie, pour la défense de la France. Mais sur le champ de bataille, tout est si différent. La vie de centaines de gens sur le champ de bataille dépend de nos décisions. Comment assumer de telles responsabilités? Je crains de pas y pouvoir y répondre. Mais voyez-vous que ce soit la famille royale ou le peuple, nul n'est vraiment capable de maîtriser son destin. Et selon mon expérience, le destin est bien. Il ne vous laisse pas beaucoup de choix. Qu'en pensez-vous? Pour éviter une erreur, ne saisirez-vous pas l'opportunité d'altérer votre propre destin? Sûrement pas. Assez discuté, nous approchons du tout. Car mon voyage se termine ici. Mon frère a envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Je vous dis donc au revoir. Si vous me rendez visite à Paris, nous partagerons d'autres histoires captivantes autour d'un verre. Merci, une petite remarque avant que je parte. Vous devriez travailler vos talents de conteur. Faites-le avant notre prochaine rencontre. Ah, c'est la première fois que j'ai un tel public. C'était ma première rencontre avec Pauline Bonnap. Hein. Elle est repartie sur le champ de bataille. Et je ne l'ai revue qu'à Paris plusieurs mois plus tard. Le chapitre 1. L'homme supposé me cherchait n'est toujours pas arrivé. Je n'ai pas vu mon frère Napoléon depuis plus d'un an. J'ai eu vent de ses quelques prouesses militaires sur le front. C'était jadis le temps entre vie. La guerre n'a laissé que les traces du désordre de la fuite des civils. Le peuple ne souhaite que la paix et la stabilité. La guerre les en empêche. Bon, serais-je au mauvais endroit? Une artillerie, Là-bas. elle est vraiment tout près. Bon sang, c'est l'ennemi, ils sont déjà là. Je vais absolument me cacher quelque part.原来如此啊。Je l'ai vu passer par ici. Serait-ce la sœur de Bonaparte?
Mademoiselle, vous m'entendez? Pas de réponse, je vais devoir fouiller la zone. Qui est cet imbécile qui crie dans la rue? Il va nous faire éclairer. Ce doit être l'homme qui m'a... que mon frère a envoyé. Je peux essayer de le rejoindre. J'ai inspecté les environs pour trouver une rupture. Allons donc, un groupe d'éclaireurs dispersés. Je dois les vaincre pour atteindre cette intersection. La sécurité de mademoiselle Bonaparte doit rester ma priorité. Ok, Ok, il y a un truc. Il a l'avantage contre les unités à pied, apparemment. Ces détails. Donc j'ai un fusil, un mousquet expérimental, j'ai deux brades, ok. C'est le chapeau de nos soldats à plusieurs balles ont traversé. Il semble que la ligne du front ait atteint cette ville. Le port sera tenu par le vaisseau britannique. La situation est guère amusante. Vous imaginez le nombre de soldats qui ont déjà succombé au combat. Je vais le garder avec moi ou au cas où je croiserai un allié. C'est un bouquet de fleurs de lys, elles sont déjà toutes fanées. Un corps sous les décombres. Ça doit être un civil qui n'a pas eu le temps d'évacuer. Pas le temps pour les sentiments, je vais continuer. Ok. Un reste de bannière à rebrûler. J'ai combattu sous le pavillon il n'y a pas si longtemps. Malgré la victoire, la plupart des soldats sont comme moi sous morts. Quel piètre commandant. Pas encore.
Ah ouais.好的，今天就让我来打头阵吧。 想好了吗？再不行动，我可等不及了。 Madame Bonaparte, cet homme qui criait, il a du coffre. Excusez-moi, mon frère, nous vous a envoyé. Je suis un support d'homme et Charles Leclerc. 原来如此. Comme je vous avais écrit, Madame Mademoiselle Pauline, c'est un uniforme militaire. Cet uniforme militaire reflète parfaitement votre tempérament. C'est vraiment ce qu'il a dit. Après, mademoiselle Joséphine, c'est de vous dont il parle le plus. Toutefois, la remarque sur votre uniforme est personnelle. Merci, peu de militaires parlent comme vous, monsieur Lucas. Hommes ou femmes, certains sont nés pour être soldats. Mais ne restons pas là, rentrons quand la ligne ennemie est proche et il serait mal avisé de rester ici trop longtemps. Attention. C'est l'artillerie ennemie, fuyez. Leclerc. En français et tout. Paulina. La bataille a lieu dans 4 heures. Es-tu toujours le soldat que je connais? Napoléon, gogo. C'est toi, Napoléon. Le Caire m'a laissé un message pour toi. Tu lui dois une grande faveur, ne l'oublie pas. Vraiment? Comment va-t-il? Il s'est caché la jambe pour te sauver. Il va rentrer demain à Paris pour se reposer. Si j'avais fait plus attention, j'aurais pu voir que la zone avait déjà été bombardée par l'ennemi. C'est de ma faute. Il a été grièvement blessé. Ça arrive sur le champ de bataille. Ce n'est pas de ta faute. Suivant de tes victoires sur le front. Tu... Ouais, et si... de nombreuses pertes. Oh. Eh bien, tu espérais des compliments de ma part. Jamais je n'oublierai tous les soldats qui sont morts dans cette bataille et jamais je n'attendrai l'éloge de cette victoire. Oh. Suis-je vraiment qualifié pour commander? C'est moi qui t'ai emmené à Paris et qui t'a recommandé à l'école militaire. Était-ce une erreur? Bon, je souhaitais devenir soldat. Alors non, garde que ça en tête, Pauline. La guerre est loin d'être terminée. Mon plan vient d'être validé par le commandant. Nous lancerons l'assaut sur la position ennemie cette nuit. Une fois la forteresse occupée, nous occuperons les canons pour
pour chasser les navires britanniques. C'est la fin de cette bataille. Leclerc étant blessé, j'ai besoin d'un nouvel adjudant. Macumeratu. Je... Il n'y a pas de place pour les indécis sur le champ de bataille. Si tu veux plus... Si tu ne veux plus être un soldat, j'arrangerai ton départ pour la Corse. Tu vas rester, parle-moi de ton plan. Bien. Allons d'abord manger un morceau. On ne peut pas faire la guerre, l'estomac vide. Rejoins-moi lorsque tu seras prête. Leclerc a été blessé par ma faute. Mais je ne peux pas fuir la bataille. Nous avons rejoint l'armée pour protéger nos semblables de l'angoisse de la guerre. Alors, est-ce que c'est fini ou pas? Ouais, je vais faire quand même cette bataille. Mais ouais, je crois que la traduction est terminée. Ouais. Полина. Шама? Не问题，看我的吧。好的。 狠狠地打！ 没时间磨蹭了，快行动起来！ 为了祖国的安宁，我们必须前进，不要冒进，就按预定计划行动。 把他们统统干掉！
战场上可容不得马虎。打起精神，可别落在后面了。地图分析就让我来吧。也不掂量掂量自己的斤两，干掉他们。柏林娜，都准备好了吗？思考的时间结束了，准备战斗。炮击支援准备好了，随时听候命令。开炮！狠狠地打！为了祖国的安宁，我们必须前进。开炮！没时间磨蹭了，快行动起来。就按预定计划行动。打起精神，可别落在后面了。战场上可容不得马虎。地图分析就让我来吧。开炮！啊，那也不好。都准备好了吗？
思考的时间结束了，准备战斗。炮击支援准备好了，随时听候命令。不要冒进，就按预定计划行动。确实，bon, je vais m'arrêter là pour ce jeu. Je voulais juste vous montrer la traduction. Je vais peut-être faire un petit truc genre. Ouais. J'ai joué à Dragon Quest Builder. Ok. Ouais. J'ai arrêté le stream un instant et puis je reviens.